Bon ben on se retrouve en cette belle journée de juillet pour parler du projet bac. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment mais je voulais attendre d'avoir mes résultats du bac avant de la faire. Donc je fais essentiellement cette vidéo pour ceux qui sont en art appliqué, qui passent en terminale et qui se demandent ce que c'est que le projet bac. Donc déjà il faut savoir que le projet bac c'est notre projet de terminale qui est un peu décisif pour le bac car c'est coefficient 16. Et c'est le projet le plus gros qu'on va avoir sur les 2 ans d'art appliqué. Donc en fait sur les 2 ans d'art appliqué on va faire une multitude de petits projets qui vont nous préparer au projet bac. Donc le projet bac c'est quoi? En gros, en janvier de la terminale, on nous donne une thématique. Et après on va étudier cette thématique jusqu'à trouver une problématique, puis définir une cible, un domaine des arts appliqués, et faire un projet tout simplement. Dans ma classe, début janvier, notre thématique c'était « Si l'usage se répète, 3 points ». Et à partir de la thématique, on a étudié les termes, donc « si »,« usage », se répète. C'est à partir de la thématique qu'on entame la phase de recherche, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier la thématique de long en large. Donc là j'ai toutes mes planches de la phase 1. Donc à la base en fait j'ai fait une carte mentale. Donc sur la carte mentale je suis un peu partie dans tous les sens sur les différentes définitions que pouvaient avoir certains mots, les significations. Par exemple le « si » qui introduit une condition, une supposition, l'usage, qui a 2 sens, le fait d'utiliser ou d'exploiter quelque chose, ou ce qui suffit, donc les coutumes, les habitudes. Et se répète, donc le fait que ce soit que ça se fasse plusieurs fois. J'ai l'impression de faire mon premier oral du projet bac. Après je me suis demandé quand est-ce que l'usage se répète. Les territoires ou les domaines où l'usage se répète. Les domaines des arts appliqués où l'usage se répète. Et à partir de là, j'ai relevé quelques problèmes. Donc si l'usage se répète, ça s'abîme, il n'y en a plus, ça se casse, on se lasse. Ça pollue, c'est pas destiné à l'usage répété. J'ai choisi 2 problèmes que j'avais relevés. Donc les problèmes que j'avais relevés c'était en quoi les usages et coutumes peuvent créer des tensions entre culture et individu et quelles sont les conséquences de la rupture d'un usage. Du coup j'en ai déduit qu'on pouvait finir par être rejeté par les autres, par sa communauté, la société, ou être victime de violences et de discrimination. Ma première problématique, donc celle que j'ai trouvée avant les vacances de février, car on devait rendre la phase 1 du projet avant les vacances, c'était comment une campagne publicitaire peut-elle inciter la population à être plus tolérante envers les opinions et pratiques divergentes. Juste après les vacances de février, on a eu un premier oral avec nos 2 profs d'art appliqué que j'avais. Pendant cet oral, du coup, j'ai présenté la phase 1. Et justement, pendant cet oral, elles m'ont dit ce qui n'allait pas, car ces oraux, ils sont faits pour, en gros, nous préparer à l'oral final, dont je vous parlerai après. Ils m'ont dit qu'il fallait que je cible un peu plus ma problématique et que je la change. Après cet oral-là, j'ai eu le même en anglais, donc avec ma prof d'anglais qui nous fait les cours de TLV, et une de mes profs principales qui aussi va en cours de TLV avec nous. L'avantage qu'on a d'avoir ces oraux qui nous préparent à l'oral final, c'est que les profs peuvent vraiment nous dire ce qui va ou ce qui va pas. Et ce que j'aime bien avec ce projet, c'est que quand on a un oral, comme c'est nous qui avons fait le projet, on sait de quoi on parle. Du coup, il n'y a pas d'histoire de par cœur, à part si c'est vraiment des mots de vocabulaire très très spécifique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de cibler les enfants. Sur les opinions et pratiques divergentes, une prof m'avait dit que c'était pas assez précis, que c'était trop vague. J'ai choisi de partir sur les différents styles vestimentaires et les conséquences que ça pouvait avoir d'avoir un style qui était différent de celui des autres. Je me suis demandé déjà quelles étaient les différentes opinions et pratiques entre les enfants. Qu'est-ce qui influence les enfants? J'ai analysé des affiches qui existaient déjà. Vu que ça touchait un peu au harcèlement, ce que j'ai fait, je me suis dit que ce serait bien de regarder ce qui existait et comment je pouvais m'en inspirer. Les éléments d'une campagne qui seraient susceptibles d'attirer l'attention d'un enfant. À partir de là, j'ai fait 3 axes de recherche, car les arts appliqués le savent, quand on fait des projets, on fait des axes. J'ai posé une proposition dans un de ces axes. Donc j'ai fait des petits croquis rapides de ce que je voulais faire, enfin des petites idées que j'avais, et j'ai choisi celui-là. Et à partir de là, j'ai fait un max de recherche. Donc ça c'était entre les vacances de février et les vacances de Pâques. Donc j'ai fait des recherches de très graphiques avec du crayon, du stylo, enfin plein de trucs. J'ai varié les techniques. J'ai pas tout, car j'en ai beaucoup fait sur ordi aussi. La phase 1 et la phase 2 c'est une phase où on va énormément solliciter les profs, ou même eux vont nous forcer à les voir car ils veulent vraiment qu'on fasse un truc bien. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, en fait, ils nous le disent, clairement. Et ils n'hésitent pas à nous casser, d'ailleurs. Vu que le projet bac est coefficient 16, si on se loupe, il vaut mieux avoir des très bonnes notes dans les autres matières. Et si on n'est pas super bon en matière générale, on peut vite se foirer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs planches où je présente mes recherches,
pour la proposition. Il y a des dessins que j'ai vectorisés par exemple. J'ai regardé ce que ça donnait sans vectorisation, avec les différentes techniques. Au final, j'ai fait un truc sur Illustrator. Comme j'avais choisi de faire une campagne de sensibilisation, donc c'est de la com, j'ai fait une affiche. Donc j'ai réalisé une affiche comme ça. Juste après les vacances de Pâques, on a encore eu 2 euros, donc comme pour la phase 1 avec nos profs d'art et nos profs de TLV, où là on explique la phase 2 tout simplement. À partir des vacances de Pâques, les profs vont nous donner le rapport de synthèse à faire et le diapo. Et ça, c'est primordial justement pour le dernier oral qu'on a en général pendant la première semaine de juin. Le rapport de synthèse, c'est une sorte de rapport, c'est un peu comme un rapport de stage. Donc on va mettre du texte et des images. Ce rapport de synthèse, les profs qui seront en jury pour notre oral final, ils vont le lire le matin de notre oral, histoire de se faire une petite idée du projet, et ils vont l'avoir sous les yeux pendant qu'on présentera notre diaporama. Le diaporama, c'est une version de notre rapport de synthèse, mais sur écran, sauf que ça doit pas être un copier-coller du rapport de synthèse. C'est-à-dire qu'on peut avoir des images qui se ressemblent, on parle de la même chose, sauf que c'est présenté différemment. Le diaporama, c'est un support pendant notre oral. Parce que pendant les 4 premiers oraux de la phase 1 et la phase 2, on est avec nos planches. Pour le dernier oral, c'est juste le diaporama. Et en plus, on n'est même pas censé le lire, le diaporama. Donc il faut vraiment savoir de quoi on parle. Le rapport de synthèse, en gros, c'est ça. Donc un peu comme un rapport de stage, il va avoir une rouleur plastique, plastifiée devant et un carton derrière. Sur la première page, en fait, on est juste censé mettre notre thématique. Enfin, en tout cas, dans ma classe, c'est comme ça que ça se faisait. Avec notre nom et notre bahut avec l'année. Et à l'intérieur, il faut vraiment que ce soit très très prof. Les profs voulaient vraiment que ce soit bien aligné. Donc en gros, ça ressemble à peu près à ça. Dans ce style. Voilà. En fait, le rapport de synthèse, c'est comme si on faisait notre oral, mais à l'écrit. Là, mon affiche finale. Avec une mise en situation à la fin. L'avantage, si on a un rapport de synthèse qui est bien clair et bien propre, c'est que les profs qui vont faire le jury, ils vont mieux comprendre notre projet. Et surtout, ça promet peut-être une meilleure note. Et pour le diaporama, c'est pareil, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit paginé. Il faut qu'on comprenne le déroulement du projet en fait, car autant nos profs d'art qui vont nous voir pendant les 4 premiers oraux, ils vont noter le projet en lui-même, alors que les profs du jury, ils vont noter la façon d'avoir fait le projet, ils vont noter la démarche créative. Pour nous préparer à cette orale finale, ce que les profs avaient fait, c'est qu'elles nous avaient vus un par un, au moins une fois pendant le mois de mai. Et si ça allait pas, elle nous faisait repasser encore. Donc moi je suis passée 2 fois. Il y en a qui peuvent passer 3, 4, 5 fois. Les profs, ils nous font passer jusqu'à ce que ce soit parfait, en gros. Pour elle en tout cas. Parce que même si pour elle ça peut paraître parfait, des fois pendant l'oral, les profs nous posent des questions assez déroutantes. Et surtout, des fois, ils peuvent être très très cassants. Je sais que dans ma classe, le jury a littéralement cassé 90% des projets des gens de ma classe. Des questions des fois qui n'avaient aucun sens. Quand on est tous sortis de notre oral, on se sentait bien déçus, perturbés, stressés. Moi encore ça va parce que quand j'y suis allée, ils m'ont fait passer 10 minutes en avance, donc j'ai pas eu le temps de stresser en fait. Les seuls moments où je me suis entraînée, c'était avec les profs, donc j'ai eu aucun problème pendant mon oral, j'ai réussi à parler sans problème, j'ai eu aucun trou. Pour le projet bac cette année, j'ai eu 12, et pour les oraux de TLV, donc le projet bac en anglais, j'ai eu 19. Plutôt contente d'avoir eu cette note là parce que coefficient 16, du coup ça m'assurait un peu d'avoir le bac vu que j'avais au moins la moyenne un peu partout. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Je sais que le projet bac se déroule pas de la même manière pour toutes les personnes, car quand j'étais allée faire quelques recherches sur internet, d'ailleurs il n'y a quasiment rien, c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'avais vu qu'il y avait plein de personnes qui abordaient leur thématique de manière différente, que ça changeait beaucoup selon les lycées. Moi je vous parle de mon expérience, de comment ça s'est passé pour moi. Mais ça peut changer selon vos lycées, donc il faut pas hésiter à demander aux profs, parce qu'ils sont là pour ça, ils servent à ça. Et en plus, si on le fait pas, ils nous engueulent. J'espère que ça se passera bien pour tous les futurs arts appliqués, pour ceux qui étaient juste curieux de savoir ce que c'était que le projet bac. Et j'espère que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, c'est toujours mieux. Parce que le projet bac, c'est 6 mois, c'est la moitié de l'année,
Et si on n'aime pas, on peut vite se faire chier et en avoir marre. Et savoir bien s'organiser. Projet BAC, nous on a bossé dessus pendant 8 heures de démarche créative de la semaine, plus les 2 heures d'AP, donc ça fait déjà 10, plus l'heure de TLV, ça fait 11 heures. Donc 11 heures par semaine, on faisait que ça. Et j'ai eu de la chance, vu que je travaillais très très bien pendant les semaines de cours, je faisais quasiment rien les week-ends. Les seuls trucs que j'ai fait chez moi, c'est mon final, parce que le rapport de synthèse et le diapo, on le fait aussi en cours. Et c'est très bien d'avoir un ordinateur, et encore mieux si vous avez la suite Adobe dessus, car c'est très très chiant de devoir dépendre de la salle informatique du lycée. Je viens de capter que j'étais un peu flou pendant toute la vidéo, désolée. Donc ça devrait pas trop poser problème. Sinon je voulais dire bonnes vacances à tous et bon courage pour l'année prochaine et bon courage au terminal art appliqué. Vous verrez, l'année est beaucoup plus calme que pendant la première. La première était horrible, il y avait beaucoup trop de choses à faire, alors que la terminale, c'est des projets et des analyses jusqu'au mois de janvier, puis après c'est projet bac, en tout cas en démarche créative. Et les profs savent, en tout cas pour la plupart, que le projet bac c'est un gros truc et que c'est la période où c'est les matières générales qui nous en mettent plein la tête. Donc l'argument du mais monsieur on a le projet bac en général, ça marche bien. Après nous le mois de mai a été très difficile parce qu'on avait les oraux de langue à ce moment là qui sont très très tôt par rapport aux autres filières. Les oraux de langue, le projet bac, rapport de synthèse, diaporama, préparation du bac, et il y avait des matières où on avait quasiment rien fait, du coup on nous donnait un max de devoirs. Donc les profs ont dit qu'ils allaient faire attention pour les années à venir. Mais apprenez à vous organiser clairement et bosser en cours parce que c'est le meilleur moyen de pas se sentir submergé. Le projet bac, j'ai eu aucun problème avec, j'ai tout rendu à l'heure, j'étais pas du tout en retard, j'étais bien dans les temps. Et surtout je me stressais pas parce que je savais que c'était mon projet, je savais que je le connaissais. Et je savais comment j'avais travaillé dessus, comment j'avais abordé la thématique. Et surtout je savais que j'avais travaillé en cours et que j'allais pas me stresser chez moi à travailler dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Bonnes vacances, à part si vous regardez cette vidéo pendant l'année scolaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça me fait toujours plaisir de savoir que mes vidéos servent à quelque chose. Voilà, bisous.